Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pourquoi je la fais? Parce que je m'inquiète énormément pour Lily Rose. Parce qu'en ce moment... Oh, bah en parlant de Lily Rose... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il est 3h du matin. Mais il est 3h du matin là? Oui. Attends, je vérifie. Mais c'est une blague, t'es encore réveillé à 3h du matin? Mais oui, mais j'ai vu un truc sur internet là. Quoi? Un truc sur internet? Attends, alors... Je t'arrête tout de suite, t'étais censé dormir hein. Demain t'as école. Mais ouais, mais attends, je t'explique. En gros, j'ai trouvé comment on pouvait faire pour invoquer un fantôme. Quoi, mais tu veux invoquer un fantôme? En gros, non, il faut... Mais si, attends, laisse-moi expliquer. Non, je te laisse pas expliquer. Moi, je veux pas de fantôme ici, ok? Parce que, alors, oui, c'est ça, c'est pour ça que je m'inquiète pour Lily Rose en ce moment. Parce que Lily Rose, en ce moment, elle s'intéresse à tout ce qui est fantôme, paranormal et tout. Alors, parce que dans notre ancienne maison, on entendait des bruits. Et maintenant, elle est persuadée que les fantômes veulent nous protéger. Non, bon, alors, d'abord, déjà, il faut qu'il soit 3h du matin. Ensuite, il faut être devant un miroir. Donc là, il y a un miroir. Il faut du riz. Et il faut faire un cercle de riz devant le miroir, se mettre dans le cercle et dire fantôme, fantôme, viens, fantôme, fantôme, viens comme ça, 5 fois. Mais t'es sérieuse, tu veux invoquer un fantôme là? Bah oui. Avec du riz en plus. Bah oui. Non, mais t'as vu ça où? Bah sur internet, allez. Non, mais j'y crois pas une seule seconde. Franchement, elle est en train de me raconter n'importe quoi. T'as pas intérêt à faire une bêtise. Ouais. Attendez, mais c'est une blague? Elle m'a vraiment envoyé ça? Elle m'a envoyé ça il y a une heure, je l'avais pas vu. Comment invoquer un fantôme chez vous à domicile? Fantôme de protection. Fantôme. Ce fantôme sera là pour vous protéger. Non mais je rêve. Faites un cercle de riz, puis récitez cette formule devant un... Non mais dans le noir. Je rêve. Elle est pas en train de le faire. Mais t'es sérieuse? Mais tu gages du riz en plus. Non mais fantôme, Lily Rose, viens, fantôme. Non mais t'es sérieuse? En plus ils ont dit dans le noir, tu respectes même pas la notice. Attends. T'es sérieuse là, t'as gâché du riz? Tu sais qu'il y en a qui ont pas à manger hein. Lily Rose. Non mais c'est pas bien de faire ça, t'es... Qu'est-ce que c'est que fantôme, ça? Fantôme, viens fantôme. Non mais t'es... arrête tes bêtises. Il va arriver normalement. Non mais de quoi il va arriver? Et tu crois à ces bêtises? T'as gâché un sac de riz pour ça? Non mais Jean, mais je te... Tu vas ramasser tout le riz hein, et tu vas l'utiliser pour toi. Oh, mais n'importe quoi. Franchement les amis, en ce moment avec les histoires de Lily Rose, je suis totalement en train de vriller en fait. Je suis en train de devenir devenir désagréable. Je vais voir. Ouais, allez, vas-y, on va voir s'il y a un fantôme. Ouais. Et si t'as gâché un sac de riz pour rien, là je t'en voudrais vraiment. Et je comprendrai sur ton argent de poche. T'entends l'orage? Oh my god, c'est quoi? Attends, ça mais il pleut pas dehors? Non. Il y a un truc là-bas. Oh, c'est un fantôme. Mais t'entends l'orage là? Ça a marché. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais il pleut même pas dehors. Il y a des orages alors qu'il pleut même pas dehors. C'est n'importe quoi ça. Mais regardez, il y a quelque chose. Non mais c'est sûr, mais t'as fait quoi? Ça a marché ton truc? Mais c'est pas possible. Bon, ok les amis, son truc là c'était pas du pipeau, c'était réel. Qu'est-ce qu'il a fait? Non mais t'en fais venir un deuxième en plus. T'en fais venir un deuxième. Bah ouais. Bon moi il sera pas seul. Non mais je rêve en plus, non mais ok. Bon là les amis, l'heure est grave. Il y a vraiment un fantôme chez nous. Alors je sais pas si c'est quelqu'un ou si c'est un vrai fantôme. Parce que d'habitude les fantômes qui sont chez nous, on les voit pas, sauf que là on a vraiment l'impression de le voir quoi. Il était au bout. Arrête! Viens fantôme! Attends, il viens est où? Viens fantôme! Il est où? Il est plus là! T'as pas intérêt à ouvrir la porte! Bon, les amis, je vais être obligé d'aspirer le riz avant qu'il arrive une catastrophe! Viens, viens, viens! Hop! Lily Rose! Non! Mais si, je suis en train d'aspirer le riz, sinon. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais sinon, ils vont venir là, t'en as appelé plusieurs! Mais le bruit que ça fait, ça va détruire l'aspirateur. Viens, fantôme. Mon dieu. Oh, regardez dans le réservoir de l'aspirateur, il n'y a que du riz. Oh mon... Non mais le gaspillage ici. Là, c'est pour ça que je rage le plus, c'est pour le gaspillage viens, alimentaire. Viens, fantôme. Elle aurait jamais dû faire viens, ça. Viens, fantôme. Il est où? Non mais... Il est pas dans ma chambre, là. Non mais c'est quoi ton fantôme, là, qui fait des bruits?
Mais moi, ça me fait vraiment peur, là, arrête tes bêtises. Viens, viens. Non, 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 mais arrête de l'appeler. Je vous ai pas demandé. Oh, le riz, il y en a partout dans ma chambre. Non, j'ai vraiment peur, voilà. Comment on fait pour le faire partir? On peut pas. Il est rose, aide-moi. Mais en plus, il marche sur le riz, il va en mettre partout. En fait, pour qu'il parte, j'ai regardé, pour qu'il parte, il faut aspirer tout le riz. Mais non, mais j'aspire pas tout le riz tout de suite, il me fait trop peur. Vite, bouge. On va dans une autre pièce. C'est pas possible. Mais franchement, les amis, ne faites jamais confiance à Lily Rose pour vous donner des bons conseils. Non, mais viens ici. Non, mais elle allait reprendre du riz. Non, mais c'est... Attends, le riz long grain, là, je vais le cacher. Parce qu'elle va, elle va me gaspiller tout le riz. Va en haut, va en haut. C'est pas possible. Non, mais de une, tu crois des histoires sur Internet comme ça. Ça a marché. De deux, tu les réalises. Je crois que ça marche. Allez. Et je pense que je vais confisquer tous les miroirs de la maison aussi. Hein. Bah non. Pour éviter que tu fasses des bêtises dans ce genre-là. Bon. Je laisse le riz là. Hors de... Tu vas pas dans la salle de bain. Non. Je vais essayer de chasser le fantôme d'ici. Je vais le faire partir. Oh, il est où? C'est pas possible ça. Non mais... Stop. Je parle pas le langage des fantômes là. Arrêtez ça tout de suite. Par contre, on le voit bien, franchement, c'est un beau fantôme pour une fois. Stop! Stop, on n'a pas de... On n'a plus de riz, on n'a plus rien à manger, stop! Stopping now! Franchement, je comprends plus rien. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que tu fais? Ça, c'est pour qu'ils partent. Elle va le faire plus loin, là-bas. Là. Non, mais... en train de me prendre pour un bébête, franchement. Je comprends plus rien à ces histoires. Attendez, je vais regarder sur le site internet pour voir si... Alors, le sortilège dure environ une heure. Une heure pendant... Comment ça? Une heure pendant laquelle le fantôme peut à la fois vous protéger, ou si vous êtes méchant ou désagréable avec lui, il peut vous en vouloir et décider de faire pleuvoir dans votre maison, de faire apparaître des éclairs et des orages dans votre maison. Non mais c'est une blague là. Ah mais c'est pour ça qu'on a entendu des orages. En fait, elle a pas invoqué un fantôme gentil. Non mais Lily Rose, reviens. Non mais il va invoquer tout plein de trucs chez nous là. C'est pas possible ça. Non mais Lily Rose, mais qu'est-ce que t'es devenue? Lily Rose, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est devenu un fantôme. Oh, punaise. Bon les amis, je vais devoir aller aspirer tout le riz. Je vais m'enfermer à clé ici. Elle est devenue un fantôme. Ok, bon, j'ai pas le temps de trop vous parler, faut que j'aille aspirer tout ce riz là. J'espère que ça vous a quand même plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et surtout cliquez sur la vidéo qui apparaît juste là. Allez, à plus.